Monsieur le rapporteur général qui va nous rejoindre, mes chers collègues, nous recevons donc ce matin Monsieur Pierre Moscovici en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes. En application des dispositions de l'article 61 de la loi organique relative aux lois de finances, le Haut Conseil rend un avis sur les prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, et sur la cohérence de l'article liminaire au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques. Il se prononce également sur le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l'année. Lorsque le gouvernement révise les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, le Haut Conseil rend également un avis sur ces prévisions et l'estimation de PIB potentiel sur lesquelles repose cette programmation. C'est ce qu'il a fait à l'occasion de la révision du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027 proposée par le gouvernement en vue de la nouvelle lecture après l'échec de la CMP de décembre dernier. Alors que la croissance devrait être modeste, très modérée en 2024, dans le contexte d'un nouveau durcissement de la politique monétaire et d'une stagnation de la croissance mondiale, votre éclairage sur la sincérité et la crédibilité de la trajectoire budgétaire présentée, à la fois pour l'année qui vient, mais également pour la période quinquennale qui s'ouvre, sera évidemment pour nous tous précieux. Je note en particulier le fait que le scénario macroéconomique sur lequel repose la programmation pluriannuelle et pour certaines hypothèses, le PLF 2024, vous paraît optimiste. Dès lors, il est permis de penser que la trajectoire pourrait pour le moins être difficile à respecter. Mais sans plus attendre, je vous cède la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Merci de m'avoir invité devant votre commission au lendemain du renouvellement de la Haute Assemblée. Je félicite les sénateurs élus et réélus en tant que président du Haut Conseil des Finances Publiques pour vous présenter, en effet, les principales conclusions des deux avis que le Haut Conseil des Finances Publiques vient de rendre. Le premier sur le projet de loi de finances pour 2024 et de financement de la sécurité sociale, et le second sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2024-2027. Concernant la programmation, je rappelle que le Conseil avait déjà rendu un avis l'année dernière, mais le gouvernement, en effet, comme vous l'avez dit, l'a de nouveau saisi, conformément à la LOLF, puisqu'il a modifié ses hypothèses macroéconomiques compte tenu du changement de contexte depuis un an, et mis à jour la trajectoire de finances publiques associée pour prendre en compte également les autres changements intervenus depuis un an. Dans un premier temps, par logique, je présenterai l'avis sur le PLF et le PLFSS pour 2024, et dans un deuxième temps, celui qui porte sur la programmation pluriannuelle. D'abord, le PLF et le PLFSS pour 2024. Concernant ces deux textes, le HCFP a examiné, conformément à son mandat, les prévisions macroéconomiques ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses. Le Conseil, je veux le souligner, une fois n'est pas coutume, a bénéficié, à sa demande en ce sens, d'un enrichissement des informations sur les finances publiques transmises par l'administration, et il a presque eu des délais normaux. Donc l'échange a été de bonne qualité. Je m'en félicite parce que nous pouvons ainsi mieux remplir notre mandat conformément à la réforme organique de décembre 2021 que vous avez votée. J'en viens aux deux principaux messages de notre avis. Premier message, le scénario macroéconomique du gouvernement pour 2024 repose sur une hypothèse de croissance de plus 1,4%, hypothèse que le Haut Conseil, en effet, Monsieur le Président, estime élevée. Deuxième message, la prévision d'un solde public de moins 4,4 points de PIB, de ce fait, paraît plutôt optimiste. D'abord, nous estimons que le scénario macroéconomique du gouvernement repose sur une hypothèse de croissance élevée. Je rappellerai avant tout, à titre de contexte, que la croissance mondiale affaiblie en 2023 resterait globalement inchangée en 2024, pénalisée par une inflation certes en baisse, mais toujours assez élevée,
et des politiques monétaires durablement restrictives au sein des pays développés. L'environnement économique mondial devrait donc rester peu porteur pour la croissance française et nos finances publiques. Si la croissance a mieux résisté qu'anticipé en 2023 aux États-Unis, en revanche, le rebond de la croissance chinoise résultant de la fin de la politique de zéro Covid s'est révélé de courte durée et la croissance chinoise devrait rester handicapée par les équipes croissance sur l'économie. On pense notamment à l'immobilier. Parallèlement, les économies de la zone euro traversent une phase de ralentissement. Pour l'Allemagne, les différents instituts de conjoncture prévoient une contraction du PIB sur l'ensemble de l'année 2023. Le retour de la croissance devrait toutefois intervenir en 2024, mais elle resterait modeste, comprise entre 1 et 1,3% sur une base dégradée, selon les prévisions disponibles. Enfin, le niveau d'incertitude reste élevé au niveau mondial, en particulier concernant l'inflation et l'impact du durcissement des politiques monétaires opérées par les banques centrales. Selon le CRU du gouvernement, la croissance du PIB s'établirait en France à 1% en 2023 et 1,4% en 2024. Un mot sur la prévision de 2023. Je dirais qu'elle est désormais plausible. Vous vous souvenez peut-être qu'elle avait été jugée un peu élevée par le HCFP l'année dernière à la même époque et qu'elle était jugée de même en réalité par la totalité des instituts de prévision. Je voudrais quand même rappeler une chose ici parce que j'entends après certains dire « Ah, vous vous êtes trompé, c'est plus compliqué que ça ». La qualité d'une prévision économique se juge sur son réalisme au moment où elle est faite, en fonction des informations disponibles. S'il y a ensuite des bonnes surprise, tant mieux. Mais elle doit être centrale, comme disent les économistes. Et ça n'était pas le cas à l'époque, puisque la prévision du gouvernement était supérieure à celle de l'ensemble des autres prévisions, alors disponibles, qu'elle supposait donc pour se réaliser une conjonction de facteurs favorables, dont certains se sont réalisés. Je crois que cette parenthèse est importante, parce qu'il peut arriver qu'une prévision soit dépassée. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais pour autant, on doit baser la loi de finances sur la prévision du moment, et la prévision centrale. Et ça éclaire les travaux d'aujourd'hui. S'agissant de l'année 2024, justement, le Haut Conseil, je vous l'ai dit, considère que la prévision de croissance retenue par le gouvernement est élevée. Pourquoi cela? Parce qu'elle s'écarte sensiblement de celle des autres instituts de prévision. Elle est légèrement supérieure à celle des organisations internationales et plus encore à ce qu'on appelle le consensus des économistes du mois de septembre, qui s'établit à 0,8%. Ainsi qu'à celle des différentes institutions consultées par le Conseil. Je rappelle que nous auditionnons toujours dans nos avis Rexecode, l'OFCE, l'INSEE et la Banque de France. Et tous prévoient une croissance française comprise entre 0,4 et 0,9, 0,9 étant la prévision de la Banque de France, organe tout de même extrêmement public, ça ne vous aura pas échappé, et qui a tout de même une forte crédibilité en la matière. Donc il y a un écart entre 1,4 et 0,9 au mieux, prévision élevée. Certaines hypothèses du gouvernement apparaissent de fait assez fragiles. Il suppose notamment que le durcissement des conditions de crédit aura un impact limité sur l'investissement des entreprises et entraînera un faible recul de l'investissement des ménages. Ce n'est pas le cas des prévisions des instituts auditionnés par le Haut Conseil. Il est vrai que compte tenu des nombreuses incertitudes qui affectent toute prévision sur 2024, celle-ci doit être prise avec prudence. Mais si elle n'est pas inatteignable, le fait qu'elle soit éventuellement inatteignable ne signifie pas pour autant qu'elle constitue une bonne base pour construire une loi de finances. Donc je dirais élevée, mais pas inatteignable, pour résumer mon point de vue. J'en viens maintenant aux prévisions sur les finances publiques, avec une prévision de solde public, moins 4,4 points de PIB, qui nous paraît, là encore sans être inatteignable, optimiste. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y a des hypothèses favorables, tant du côté des recettes que des dépenses. Du côté des recettes, la prévision de prélèvement obligatoire en 2024 paraît haute, puisqu'elle repose sur une hypothèse de croissance de l'activité qui nous semble elle-même optimiste. 1,4 ou 0,9, ça ne va pas générer les mêmes recettes spontanément. Au-delà de l'impact de l'hypothèse de croissance, qui n'est pas négligeable, la prévision de prélèvement obligatoire est aussi tirée par des hypothèses favorables sur le rendement de certains impôts, avec notamment une croissance prévue de la TVA supérieure à celle de la base taxable et un arrêt prévu de la baisse des droits de mutation à titre onéreux. Du côté des dépenses, celle-ci augmenterait en 2024 de 3% en valeur et de 0,5 points en volume. La progression serait cependant nettement plus sensible une fois qu'on neutralise les mesures exceptionnelles de soutien face à la hausse des prix. Elle atteindrait 4,8% en valeur et 2,2% en volume, ce qui veut dire qu'en réalité, ce qu'on va constater, c'est que l'essentiel des économies présentées, quelques 16 milliards, proviennent de la fin
ou du retrait de ces dispositifs, les économies structurelles étant nettement plus faibles. Il faut noter qu'en 2024, le poids des dépenses publiques dans le PIB serait encore supérieur de 1,5 point à ce qu'il était avant la crise Covid. Ce serait 55,3 contre 53,8 en 2019. J'aimerais souligner ici que sur le nouveau champ dit du périmètre des dépenses de l'État, la très forte réduction du coût des mesures de soutien face à la hausse des prix de l'énergie serait presque compensée par la hausse résultant des priorités gouvernementales. Vous constaterez que la plupart des ministères voient leur crédit conforté. Politique en faveur de la transition écologique, 7 milliards en 2024. Mesures d'attractivité pour l'éducation nationale, 3 milliards. Politiques sectorielles qui font l'objet de crédits supplémentaires inscrits dans une loi de programmation, défense, justice, recherche intérieure. Et la charge d'intérêt, enfin, augmenterait en 2024 par 2023 de près de 10 milliards en comptabilité nationale. Cette prévision de hausse des dépenses publiques est par ailleurs sujette à plusieurs facteurs possibles de dépassement. C'est vrai notamment du bouclier tarifaire sur le prix de l'électricité, dont le coût nous paraît faible au vu des prix observés au cours des derniers mois. C'est également le cas des dépenses de santé sous Ondam, pour lesquelles le gouvernement prévoit un net ralentissement, ce qui suppose un infléchissement de la tendance spontanée des soins de ville, qui semble optimiste, et un volant d'économie de 3,5 milliards d'euros, qui est costaud, et difficile à atteindre dans le contexte actuel de tension dans le secteur hospitalier et de l'offre de médicaments. Au total, il ressort de cette analyse, par le Haut Conseil des recettes et des dépenses, que la prévision de déficit public pour 2024, 4,4 points de PIB, je le rappelle, paraît optimiste. Le déficit public demeurera de toute façon sensiblement supérieur à la limite de 3 points de PIB prévue par l'arrêt du pacte de stabilité. En outre, alors que le Conseil de l'Union européenne demandait à la France de plafonner à 2,3% l'augmentation nominale des dépenses primaires nettes financées au niveau national en 2024, le gouvernement prévoit sur ce même périmètre une augmentation de 2,6%. Dans le contexte où la progression importante de la charge d'intérêt contribue à accroître les dépenses, le PLF contient peu de mesures d'économie structurelle, malgré le premier millésime des revues de dépenses organisées en 2023. Il prévoit également, je l'ai dit, une quasi-stabilité du taux de PO. Enfin, le ratio de dette publique ne baisserait plus en 2024, après une baisse de 2 points en 2023. La croissance en valeur du PIB, moins forte en 2024 qu'en 2023, du fait du repli de l'inflation, deviendra en effet moins favorable. C'est pourquoi, c'est la conclusion de notre premier avis, le Conseil continue à appeler à la plus grande vigilance quant à la soutenabilité à moyen terme des finances publiques. Et donc, assez logiquement, j'en viens à l'avis du Haut Conseil sur la programmation pluriannuelle révisée dont il a été saisi par le gouvernement. Je l'ai dit et répété maintes fois devant votre commission, je considère qu'il est indispensable que la France se dote d'une loi de programmation de finances publiques pour trois raisons qui demeurent valides, quoi qu'il arrive. Premièrement, c'est une partie intégrante de notre ordre public financier qui figure à la première ligne de notre constitution financière. Deuxièmement, et au-delà de l'obligation juridique, c'est une nécessité politique et de bonne gestion, puisqu'elle fixe une trajectoire de solde et de dette qui donne un cap aux gestionnaires et aux responsables publics et qui rend ainsi plus prévisible et plus lisible l'action publique pour les citoyens. Troisièmement, l'adoption d'une LPFP répond aux engagements communautaires de la France résultant de la participation à l'Union économique et monétaire. Nous devons à nos partenaires, et nous nous devons, de respecter les engagements juridiques pris qui supposent notamment de nous doter d'une programmation pluriannuelle. Enfin, et ce n'est pas un argument mineur, l'adoption de la LPFP, je peux vous le rappeler, mesdames et messieurs les sénateurs, est un engagement pris par la France dans le cadre du plan national de relance et de résilience et conditionne donc le paiement de financements européens importants pour notre pays. Je me félicite donc que les discussions reprennent sur ce sujet et ce projet, et je souhaite ardemment qu'une loi de programmation de finances publiques soit votée. Sinon, nous entrons dans une série de turbulences juridiques, nationales, européennes, et peut-être de problèmes financiers à cette échelle. Néanmoins, sur le fond, les observations du Haut Conseil ne sont pas exemptes de critiques, et j'en viens à celles-ci que je présenterai en trois temps. D'abord, nos observations sur l'estimation de la croissance potentielle, ensuite, nos observations sur les prévisions macroéconomiques du gouvernement et, enfin, nos observations sur la trajectoire de finances publiques. D'abord, l'activité potentielle. Le HCFP a examiné, d'une part,
l'estimation d'écart de production du gouvernement, c'est-à-dire son estimation de la position de l'économie française dans le cycle économique. Et d'autre part, c'est la croissance potentielle qui est presque l'inverse. C'est la croissance tendancielle que connaîtrait l'économie en l'absence de choc conjoncturel, donc presque indépendamment du cycle. Nous considérons que les deux hypothèses retenues dans le projet de LPFP sont optimistes. Le gouvernement a légèrement révisé à la baisse son estimation du PIB potentiel sur le passé, mais son évaluation de l'écart de production traduit toujours, du point de vue du HCFP, une appréciation optimiste sur la capacité de rebond de l'économie française. Elle suppose que l'économie française se situe dans un creux conjoncturel et dispose donc de capacités de production inutilisées importantes. Mais nous constatons tous des tensions persistantes sur les recrutements, qui demeurent à un niveau historiquement élevé, même si elles ont un peu diminué. S'agissant de la croissance potentielle, le gouvernement a conservé sa prévision à 1,35 sur la période 2023-2027. Nous estimons, comme l'an passé, que cette prévision est optimiste. C'est vrai que d'autres prévisions s'en rapprochent, comme celle de l'OFCE pour le début de la période, ou celle du FMI, au contraire, pour la fin de la période. Mais c'est quand même la plus élevée de toutes les prévisions disponibles, supérieure à celle de l'OCDE, de la Banque de France ou encore de la Commission européenne. Elle suppose que le progrès technique et l'efficacité des facteurs de production se remettent à croître conformément aux tendances antérieures à la crise sanitaire, ainsi qu'un dynamisme important de l'investissement des entreprises, malgré le durcissement des conditions de crédit. Enfin, elle repose sur une évaluation des effets indéniables des réformes du marché du travail que le HCFP estime trop importante et trop rapide. J'en passe maintenant au scénario de croissance effective pour les années 2023-2027. J'ai déjà indiqué que la croissance retenue pour 2024 était jugée élevée. Pour les années qui suivent, de 2025 à 2027, il en va de même. Je dirais différemment que les hypothèses de croissance du gouvernement, c'est-à-dire une croissance de 1,7 en 2025 et 2026, puis 1,8 en 2027, sont plutôt optimistes, parce qu'elles s'appuient toujours sur une hypothèse de recul important du taux d'épargne des ménages qu'on peut souhaiter, mais qui n'est pas dans les astres aujourd'hui. Ça suppose également un niveau élevé d'investissement des entreprises, et nous avons toujours le durcissement des conditions de crédit. Enfin, une contribution légèrement positive du commerce extérieur à la croissance, que nous espérons tous, mais ce qui, au vu des tendances passées, apparaît quand même comme favorable. Je dirais que, comme en septembre dernier, peut-être à un moindre titre, le scénario macro, parce qu'il y a eu la réforme des retraites et la réforme de l'assurance travail quand même, le scénario macroéconomique du gouvernement ne repose pas sur une prévision totalement irréaliste. Donc vous m'avez parlé de sincérité, moi je déteste le débat sur l'insincérité. L'insincérité suppose l'intention de tromper, il ne s'agit pas de ça. Et je pense par ailleurs que l'existence du Conseil et nos débats ont permis de ramener les prévisions dans un écart, disons, raisonnable, sur lequel on peut discuter. Donc nous ne sommes pas dans l'insincérité, nous ne sommes pas dans l'irréalisme absolu, mais nous sommes quand même dans... Non. Dans des... Nous ne sommes pas dans l'irréalisme, si vous préférez. Je me reprends, car très attention. Ça n'est pas inatteignable, encore une fois. Mais ça combine quand même des hypothèses favorables, ce qui est de nature à fragiliser la réalisation des objectifs de finances publiques qui sont présentés. Et justement, le Haut Conseil a examiné, conformément à son mandat, la cohérence de cette trajectoire avec les engagements européens de la France. Alors, l'objectif de moyen terme de la France est d'atteindre un déficit structurel d'au plus 0,4 points de PIB. Or, en fin de programmation, le déficit structurel s'établirait à 2,7 points de PIB, soit un niveau beaucoup plus élevé et très éloigné de cet objectif de moyen terme. Je reconnais quand même qu'au stade où nous en sommes, atteindre le MTO, comme on dit, est assez dur et même pas souhaitable, mais quand même la réduction du déficit paraît lente. Et j'ajoute que le gouvernement envisage un retour sous 3 points de PIB uniquement en 2027. C'est un peu amélioré par rapport au projet initial, puisque c'était 2,9 l'an dernier, c'est 2,7 cette année. Mais nous serions quand même, si on regarde les problèmes de stabilité de nos principaux partenaires, certes déposés il y a 5 mois, aucun ne prévoit un retour sous 3 points aussi tardif. L'Irlande, la Grèce, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas ont déjà un déficit inférieur à 3 points en 2022. L'Espagne y sera en 2024, l'Italie en 2025, la Belgique en 2026,
nous serions les derniers avec la Slovaquie. Enfin, dans ce projet révisé, le gouvernement vise une baisse un peu plus forte du ratio de dette publique que le projet initial. Je m'en félicite, parce que c'est ce qu'a souhaité le HCFP, mais quand même, la réduction de l'endettement serait modeste, puisqu'on serait à 108 points de PIB en 2027. Ça veut dire quelques 3 points en 4 ans, voire 5 ans. À ce rythme-là, les 60% ne sont pas pour demain, pour un horizon raisonnable, pour chacun d'entre nous, autour de la table, presque. Seront tous keynésiens. Madame Lavarde. Madame Lavarde sera encore là. Nous lui souhaitons. Voilà. Et donc, c'est quand même une trajectoire qu'on peut définir comme peu ambitieuse au regard des engagements européens, même s'il est un peu meilleur que le projet initial. Et c'est d'autant plus regrettable que la crédibilité de la trajectoire peut être discutée, puisqu'elle suppose des dépenses hors charges d'intérêt quasi stables sur la période 2024-2027, avec une croissance des 0,1 points en volume, ce qui est bien plus ambitieux que ce qui a été réalisé par le passé. À titre de comparaison, la période pendant laquelle la croissance de la dépense a été la plus contenue au cours des 20 dernières années est une période que je connais un peu, 2010-2014, c'est-à-dire pendant la crise des dettes souveraines en zone euro. Mais alors, les dépenses hors charges d'intérêt augmentaient de 0,9 points en volume. Donc, il s'agirait de faire beaucoup plus que le plus ambitieux qui a été fait au cours des 20 dernières années. Et cette progression très limitée des dépenses reposerait notamment sur un effort marqué des réductions des dépenses de l'État à moyen terme, qui baisserait de 0,9 points en volume. Notons quand même, ce qui est un facteur aggravant ou disons compliquant, que certaines dépenses seront plus dynamiques en raison des lois de programmation sectorielle, par exemple pour la défense, qui ont été examinées par le Conseil et votées par vous. Et les autres dépenses de l'État, celles qui ne sont pas couvertes par des lois de programmation, devront dès lors très fortement baisser. La maîtrise de la dépense, je le signale devant la Haute Assemblée, reposerait également sur la baisse des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, qui s'établirait à 0,5 points par an en moyenne sur la période 2024-2027, cela sans mécanisme contraignant pour y parvenir, ainsi que sur l'hypothèse d'une baisse de leurs investissements. Je vous laisse apprécier ce que ça veut dire dans le cycle électoral, que vous connaissez désormais mieux que moi, qu'il est complètement oublié. Ces évolutions prévues, ben oui, vous savez, avec le grand âge, on devient un peu amnésique rapidement. Ces évolutions prévues pourraient toutefois être en partie contrariées par certains investissements, notamment ceux qui sont nécessaires à la transition écologique, dont on demande par ailleurs qu'ils s'appuient beaucoup sur les collectivités locales. Enfin, les dépenses des administrations de sécurité sociale augmenteraient en moyenne en volume de 0,8 points sur la période 2024-2027. C'est un rythme inférieur à celui du PIB. Ce scénario repose sur la montée en charge progressive de la réforme des retraites, promulguée au printemps, mais aussi sur une progression des dépenses sous ONDAM limitée à 2,9 en fin de période, ce qui suppose un effort de maîtrise très conséquent. Au total, le respect de la trajectoire suppose la réalisation d'un montant important d'économies. Le gouvernement escompte 12 milliards d'euros d'économies pérennes en 2025, répartis entre l'État et la sphère sociale, issus de l'exercice de revue des dépenses dont le contenu concret reste à préciser, qui, à mon sens, reste à renforcer considérablement. J'en parlerai si vous le souhaitez, mesdames et messieurs les sénateurs. Et j'ajoute enfin que ce montant important des commis est toujours très peu documenté à ce stade. Nous avons des données sur les retraites et sur l'assurance chômage. Nous n'en avons pas sur le reste. En conséquence, la baisse attendue du ratio de dette publique est fragile, puisqu'elle s'appuie sur une prévision de croissance optimiste, une cible exigeante de dépenses, dont le respect n'est aujourd'hui pas garanti par une documentation très concrète. Je veux tirer quelques conclusions pour terminer. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le point le plus saillant qu'il faut retenir, je le gardais pour la fin, c'est quand même l'augmentation spectaculaire, elle est là, de la charge de la dette dès 2024 et sur toute la période de programmation. Revenons un tout petit peu en arrière. En 2021, c'est pas il y a très longtemps, la charge de la dette était de 31 milliards d'euros. L'an prochain, elle sera de 57 milliards d'euros, soit plus que le budget de la défense. En 2027, elle sera, ce sont les chiffres du gouvernement, de 84 milliards d'euros, presque triplé en 6 ans. Et à ce moment-là, ce serait pour la première fois devant le budget de l'éducation nationale. Ça fait longtemps que j'alerte devant vous, au nom du Haut Conseil de la Cour des comptes, devant les risques de l'endettement. Nous ne sommes plus devant les risques, mesdames et messieurs les sénateurs. Ils sont là. La hausse des taux est là. Je ne suis pas venu pour prôner l'austérité, ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai une longue expérience publique. Je crois à l'action publique.
Je crois à la volonté politique. Je suis convaincu que le volant d'économie qui est présenté n'est pas impossible à réaliser. Beaucoup d'autres pays l'ont fait. Mais pour ça, il faut changer nos comportements collectifs et il faut changer de méthode. C'est-à-dire passer à des vraies revues de dépenses qui soulèvent vraiment le capot des politiques publiques et qui font le tri entre ce qui marche, qui doit être conforté, et ce qui ne marche pas, sur lequel il faut réaliser des économies beaucoup plus fortes et structurelles. Je ne crois pas au rabot. Je ne crois pas à une forme de pensée magique qui ferait en sorte que la croissance seule produise une augmentation indéfinie des recettes. Ça ne résoudra pas notre équation de finances publiques. Il faut une action déterminée et collective. J'ajoute enfin que personne ne souhaite que notre pays se trouve dans une situation où des tensions sur la dette conduiraient à des coupes brutales dans la dépense, d'une part, ou à des augmentations fortes d'impôts, avec dans les deux cas des conséquences très dommageables pour les ménages et les entreprises, parce que pour le coup, ça s'appelle l'austérité. Je ne veux pas dire que ce risque nous guette aujourd'hui. Je ne pense pas que la France soit en faillite, ni en risque. Et je pense que sa dette est soutenable, c'est-à-dire finançable. Mais la sagesse, et je suis ici dans la chambre de la sagesse, recommande de ne pas attendre que le risque apparaisse pour agir. Il sera alors trop tard. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les quelques réflexions que je voulais faire sur ces deux avis du Haut Conseil. Et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions, aidé par l'équipe qui m'entoure, qui a fait, comme toujours, avec les membres du Haut Conseil, un formidable travail dans des délais tout de même extrêmement acrobatiques. Je crois que nous pouvons être fiers de l'existence du Haut Conseil et de son utilité. Je le suis, en tout cas. Merci, Monsieur le Président, pour ces, finalement, deux présentations, oui, dont une, celle sur le projet de loi de finances, dont nous avons, d'une certaine façon, la primeur ce matin. Tout à fait, mais je ne fais rien à la dit légale, hein, c'est prévu comme ça, le Haut Conseil rend son avis. Ce n'est pas ce que j'ai indiqué. Le Haut Conseil, je voulais m'en féliciter. Le Haut Conseil rend son avis le matin, avant que soit présenté le PLF en Conseil des ministres, ou pendant qu'il l'est, et vient le présenter aux chambres qui le reçoit. Et c'est devant vous, en effet, que je le fais en premier. J'irai ensuite à l'Assemblée nationale, où j'ai été lundi, mais c'était un peu compliqué pour vous, présenter le deuxième avis sur le PLF, après avoir présenté le premier. Non, mais ne vous excusez pas de passer devant le Sénat avant l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème. Je m'en réjouis, j'explique simplement que nous sommes tout à fait dans les clous, évidemment, nous ne sommes pas en train de griller, je ne sais quel... Monsieur le Président. Allons, voilà. Nous n'y pensions même pas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Premier Président, à vous-même, évidemment, et à vos équipes. Vous avez, je pense, dressé un constat. Alors, exigeant, prudent, nous alertant collectivement, effectivement, et nous sommes sensibles au fait que vous avez choisi votre intervention au Sénat. Moi, j'y vois un signe. C'est l'Assemblée la plus fraîchement impactée par un renouvellement démocratique, ce qui me permet également de féliciter l'ensemble des collègues présents réélus. Mais vous avez aussi terminé par une image en disant qu'il y avait besoin de soulever le capot pour modifier finalement les réglages du moteur. Moi, je vais garder cette image et évidemment, je me ferai fort de rappeler au chef de garage, le ministre de l'économie et des finances, de procéder désormais et de manière fine, mais active et volontariste, à ces réglages qui me paraissent indispensables. Le dernier slide qui est devant nous sur l'envolée de la dette. Alors, il y a deux ans, lors d'une présentation en commission du budget, nous avions alerté sur les dangers d'une dette qui pourrait s'apparenter à terme, ou qui aurait pu s'apparenter à terme, à court terme même, à un mur de dette. Le chef de garage nous avait répondu effectivement que c'était un mauvais pessimisme, que tout ça allait plutôt dans le bon sens. Et je le redis parce que, vous l'avez dit, il faut toujours resituer dans le juste contexte au moment où on prononce les uns les autres nos avis. Nous l'avions dit en disant qu'il y avait quand même un risque de voir à un moment les taux remonter. Je ne pensais pas qu'ils remonteraient aussi vite. Quelques éléments. Vous avez sur les prévisions de croissance. Alors, j'ai entendu, hein, là encore, vos précautions oratoires. Mais
tous les mots que vous avez utilisés me paraissent marqués du sceau du doute, un doute parfois certain et parfois très fort. C'est ni insincérité, ni irréalisme, ni inatteignable. Il n'y en a qu'un que vous n'avez pas mis, mais c'est normal, la lettre N est remplacée par la lettre M. Vous n'avez pas dit que c'était impossible, mais pour moi, dans tous les cas, les scénarios sont marqués, je le redis, hein, d'un profond doute. Je souhaitais d'ailleurs, parce qu'il y a un élément qui me paraît important, c'est que dans la stratégie budgétaire et fiscale, cette stratégie repose sur une baisse des dépenses, mais qui n'est malheureusement absolument pas documentée. Je dirais donc, elle est lacunaire, et je pense que c'est une préoccupation, parce que pour tout vous dire, un certain nombre de mes collègues, lorsque nous avons tout au long de l'été fait campagne, les élus locaux s'interrogent fortement sur le sujet de la soutenabilité à la fois des prévisions et de la capacité pour les collectivités à contribuer au redressement des finances publiques. Alors vous avez dit, hein, on ne va pas aller beaucoup plus loin, il n'y a pas insincérité, mais finalement, si j'ose, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ou que faudrait-il de plus pour pouvoir dire que la présentation qui est faite sur le scénario macroéconomique et l'évolution des finances publiques serait insincère. Et puis, un deuxième élément, en fait, depuis l'introduction en droit français de la LPFP 2008, on s'aperçoit qu'il n'y a eu depuis, c'est 15 ans plus tard, aucune amélioration de la situation des finances publiques. Elles se sont dégradées. Avez-vous à ce stade des orientations, des indications ou des règles nouvelles à évoquer ou à proposer qui pourraient permettre de mieux répondre et surtout de corriger cette fâcheuse tendance qui, vous l'avez dit dans les comparaisons européennes, qui frappe la France bien davantage. Vous avez parlé de changer nos comportements collectifs. Je pense que nous y adhérons tous. Alors, c'est douloureux, mais à un moment, à force de vouloir reculer, soit le temps du diagnostic, soit surtout les soins apportés pour réduire la douleur, ça peut s'avérer, je dirais, très dangereux pour l'avenir du pays. Quelques éléments sur les nouvelles règles européennes, puisqu'elles sont également en fond de carte au niveau européen sur la gouvernance économique et budgétaire. Les règles actuelles, vous l'avez déjà dit, ne sont pas pleinement satisfaisantes. Avez-vous des préconisations et surtout peut-être que pensez-vous aujourd'hui des propositions de la Commission? S'il y avait des règles budgétaires modifiées, d'ailleurs, la LPFP ne deviendrait-elle pas presque aussitôt caduque? Et dans ce cas-là, quelle serait l'attitude de la France? Vous avez évoqué enfin la difficulté à concilier les règles budgétaires avec le nombre important de lois de programmation sectorielles qui ont été votées et adoptées, nous amenant d'ailleurs dans une situation, là encore, comme l'ont dit les élus que j'ai rencontrés dans tous les domaines, une situation malheureusement très compliquée, puisque nous appelons à des économies et dans le même temps, nous proposons des envolées, des budgets pour rattraper des situations anciennes, difficiles. Mais voilà, il y a peut-être aussi, et ça nous touche, également certaines incohérences. Enfin, parce que je ne veux pas manquer le sujet des finances sociales, avez-vous un avis, puisque finalement, moi je m'interroge sur la diminution programmée de la part de la T2A dans l'ONDAM, hein, pour les établissements de santé. Comment, selon vous, parvenir à réguler efficacement les dépenses des hôpitaux? Faut-il passer par une régulation des dotations? C'est une vraie question. Et puis, quel mécanisme, selon vous, pourrait-on mettre pour réguler les soins de ville, puisqu'il y a un lien entre les prescriptions des soins de ville et ensuite le passage, entre guillemets, aux dépenses hospitalières.
Voilà, Monsieur le Premier Président, un certain nombre de mes interrogations, mais je pense que mes collègues vont être peut-être encore plus gourmands ou plus curieux que moi. Merci, Monsieur le rapporteur général. Il me semble que vous avez déjà formulé un nombre de questions extrêmement significatif, et donc je vais proposer au Président, s'il le veut bien, de vous répondre dans un premier temps avant de prendre les questions de nos collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, aux questions toutes extrêmement aiguës, s'adresse en fait pour beaucoup au président de la Cour des comptes, davantage qu'au président du Haut Conseil des finances publiques. Je le dis parce que le Haut Conseil a un mandat bien précis, qu'il remplit précisément, et il ne lui revient pas d'aller plus loin sur un certain nombre de ces sujets. Comme je connais un peu le premier président de la Cour des comptes, je vais essayer de jongler avec ces tout en précisant qu'il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas aller trop loin. D'abord, sur l'insincérité ou la sincérité, pour le coup, ce n'est pas du tout au Conseil que ça revient de l'apprécier. C'est en matière budgétaire au Conseil constitutionnel de le faire, qui en a déjà donné une définition assez précise. Selon le Conseil, elle se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, ce qui veut dire qu'en réalité, il faudrait une intention déterminée de les fausser pour être insincère. Mon prédécesseur, Didier Migaud, avec qui j'ai un plus que large accord sur la fonction la manière d'exercer, avait jugé en 2017 que la loi de finances pour cette année avait été insincère. À l'époque, j'étais commissaire européen, je n'avais pas été d'accord avec lui, je l'avoue, justement parce que je ne voyais pas d'intention de tromper. Donc, vraiment, je crois que c'est un mot qu'il faut se garder d'utiliser, et je ne ressens absolument pas que ce soit le cas cette fois. Je le dis, les prévisions de croissance sont élevées, et elles sont plus élevées que la totalité des instituts de prévision. Pour autant, elles ne sont pas inatteignables. Et il y a une série de raisonnements sous-jacents et de paris sur l'avenir que le ministre des Finances et le ministre des Comptes publics viendront vous exposer ici. Je pense que c'est difficile. Et au stade où nous en sommes, en tout cas, personne ne peut dire que cette prévision soit centrale. Donc elle est optimiste. Voilà ce que je peux dire. Mais je n'utilise en rien le mot d'insincérité, vraiment. Et je vous assure que c'est indépendant de toute considération politique. Je m'en garde toujours. Je trouve que c'est un mot un peu explosif, et qui suppose une intention qui n'est pas... Alors, si, par exemple, on avait une prévision de croissance à 2%, il est arrivé avant l'existence du Haut Conseil qu'on ait des prévisions complètement en dehors des clous. À ce moment-là, nous pourrions, au cours des comptes, soulever ce risque. Là, je le dis, c'est élevé, mais pas inatteignable, sous un certain nombre de conditions extraordinairement favorables qui se trouveraient réunis par un concours de circonstances, pourquoi pas. Et d'ailleurs, le gouvernement vous objectera que l'année dernière, tout le monde s'est trompé. Ok, moi, je suis là-dessus un tout petit peu plus prudent, parce que ce que je constate, c'est qu'il y a eu un premier trimestre qui était conforme aux prévisions, un troisième et quatrième trimestre qui ont repris une pente assez neutre, et un deuxième trimestre extrêmement bon, pour des raisons en partie inexpliquées, donc qui ne fait pas une tendance. Voilà. Là, on est quand même à 0,5 point d'écart entre la prévision du gouvernement et la Banque de France. C'est beaucoup. Beaucoup. Ou faire des économies, là, encore une fois, ce n'est pas à nous de le faire. Je dirais que je vais surtout faire une préconisation de méthode. C'est de procéder à des revues de dépenses beaucoup plus approfondies que celles qu'on a commencé à faire. Je me réjouis des premières revues de dépenses. Je constate qu'elles ne sont pas publiques. Je pense qu'elles sont en réalité quasi exclusivement techniques et internes à l'administration. Si vous regardez le rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques paru en juin, il y a tout un chapitre que j'étais venu vous présenter avec des préconisations sur comment faire. Il faut que les revues de dépenses concernent à la fois l'investissement et le fonctionnement, qu'elles touchent toute la dépense, c'est-à-dire à la fois l'État, les colloques et la sécurité sociale, que ce soit fait avec les acteurs. Donc une procédure un peu démocratique en la matière, et enfin que ce soit fait dans la durée, et pas uniquement de manière saisonnière au moment de la confection de la loi de finances. Tant qu'on n'en fait pas ça, on ne pourra pas, en effet, ouvrir le capot, monsieur le rapporteur général.
Je dis et redis que la Cour des comptes est disponible pour y participer. D'ailleurs, nous avons présenté 9 notes thématiques que vous avez peut-être consultées sur des sujets comme le logement, l'éducation, les dépenses fiscales, les aides aux entreprises, qui ne prétendent pas l'exhaustivité, mais qui, je pense, sont d'intérêt. Donc voilà ce que je peux dire. Sur les règles européennes, je ferai 2 points. Le premier, pour dire que nous sommes dans une situation où, logiquement, les règles européennes seront rétablies le 1er janvier 2024, dans quelques mois. La question, c'est quelles règles et quelles conséquences ? Si ce sont les règles actuelles qui reviennent avec tous leurs effets pervers, procyclicité, illisibilité, caractère très contraignant, théoriquement, alors on pourrait avoir une vague de mise en procédure pour déficit excessif, dont la France, avec sa situation, serait naturellement une cible tout à fait privilégiée. Nous avons intérêt, je dirais tous, à ce que ce soit des règles réformées qui rentrent en vigueur. De ce point de vue-là, je donne un point de vue tout personnel, mais qui a été repris par la Cour des comptes, et il y a un encadré dans l'avis du HCFP, qui est que la base de la Commission est plutôt saine, c'est-à-dire substituée, tout en gardant les critères, à une approche très globale et tournée vers la sanction, une approche tournée vers l'incitation, avec des profils de dette nationaux, et un gain de temps qui dépendrait du quantum de réformes qu'on est capable de faire. Ce serait quand même exigeant pour les pays les plus endettés, mais c'est plus intelligent. Je sais qu'il y a des débats à l'Eurogroupe, je continue de les suivre, ça m'intéresse quand même, et que je vois que l'Allemagne a durci sa position. Je souhaite ardemment que peut-être, avec un travail commun avec nos amis espagnols et néerlandais, un compromis soit trouvé dans les mois qui viennent. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Mais encore une fois, si vous me demandez mon sentiment, voilà, la base de la Commission me paraît plutôt la meilleure. Pour ce qui est... quelle était votre question ? La quatrième, c'était sûr ? Les dépenses sociales. Les dépenses sociales. Bon, là, je ne vais pas me lancer dans de longs développements sur les dépenses sociales. Pour le coup, je renvoie à toute une série de rapports de la Cour des comptes et je reviendrai bien volontiers devant vous pour présenter cela. En tant que premier président. En tant que premier président de la Cour des comptes. Mais je veux faire une remarque comme président du Haut Conseil, c'est ce que je veux dire. C'est que les chiffres qui sont donnés sur l'ONDAM supposent quand même à la fois des conditions favorables et des économies très fortes. Et que c'est pas simple. Et qu'il faudra, pour le coup, trouver des remèdes assez vigoureux pour parvenir aux hypothèses qui sont là, ce qui nous permet de dire qu'elles sont, elles aussi, favorables. Et dès lors qu'elles sont favorables, ça veut dire que les dépenses telles qu'anticipées risquent des dépassements, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'équilibre des finances publiques. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc reprendre nos vieilles habitudes, c'est-à-dire essayer de tenir nos questions en 2 minutes, s'il vous plaît. Et pour donner le rythme, Vincent Delahaye en premier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du Haut Conseil des Finances publiques. Vous nous avez fait un bel exposé qui, en réalité, confirme ce que l'on pense ici depuis un petit moment, de façon assez majoritaire, je pense, hein, que l'optimisme règne dans la gestion de nos finances publiques. Et autant j'aime bien l'optimisme dans la vie, mais autant en matière de gestion de l'argent public, je trouve que c'est un grave défaut. Et pour moi, c'est la rigueur et la prudence qui devraient plutôt prévaloir. Donc, ma question, quoi, j'avais deux questions. D'abord, pensez-vous que vos avis et votre avis, là, en l'occurrence, quoi, sur les deux textes, puissent modifier les hypothèses du gouvernement ? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que la fin des dépenses exceptionnelles aurait dû permettre, en tout cas, d'assister à une baisse de la dépense publique. Merci, Vincent. Madame Vermeillet, votre voisine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour ces deux avis. J'ai deux questions par rapport à l'évolution pluriannuelle, cette trajectoire proposée. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de l'annonce de Bruno Le Maire à propos de la
suppression ou non-suppression de la CVAE, c'est-à-dire cette CVAE qui devait être supprimée en 2 ans et qui le serait seulement d'ici 2027. Et puis, vous avez à peine évoqué la question de la réforme des retraites, mais par rapport au budget de la sécurité sociale, comment concevez-vous l'impact de la réforme des retraites sur l'activité économique ? Merci. Merci, Sylvie. Christine Lavarde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Alors, merci pour ce propos éclairé avec le vocabulaire cherché du Haut Conseil des finances publiques. Il me semble que le rapporteur général de l'Assemblée nationale partage votre vision, puisque je lisais ce matin qu'il indiquait déjà qu'il allait falloir faire une révision du budget au cours de l'exercice de l'année 2024. Alors, on apprécie vos propos, mais je l'avais déjà déploré précédemment et je renouvelle cette demande. Il serait utile pour nous, en fait, d'avoir un contrefactuel. C'est-à-dire que c'est bien de nous dire que les hypothèses sont optimistes, mais ce serait intéressant de voir comment bougerait le déficit, le solde, si jamais on prenait des hypothèses qui vous paraissent celles de la moyenne, en tout cas du consensus. En tout cas, ça éclairerait très utilement notre appréciation sur la copie qui nous est présentée. De même, vous avez une diapositive sur le taux de prélèvement obligatoire. Cette année, il me semble qu'arrive à échéance 89 niches fiscales. Le gouvernement n'évoque pas du tout ce sujet dans le PLF qui sera publié là, dans les prochaines heures ou minutes. Est-ce que vous avez fait un travail d'évaluation de ce que représente en fait cette imposition supplémentaire si les 80 niches fiscales devaient effectivement s'arrêter au 31 décembre? Et enfin, ma dernière remarque, à fin juillet 2023, le déficit de la France pour l'année 2023 a atteint 169 milliards. C'est 30 milliards de plus qu'à la même date en 2022. C'est même un niveau plus élevé qu'en 2020 et en 2021 où on était en année Covid. Donc est-ce que vous pensez que l'hypothèse 2023 est crédible ? Puisqu'on a tout recalculé sur ce qui a été annoncé, mais début de l'exécution laisse apparaître quelques doutes. Merci Christine. Bernard Delcroix. Oui, merci Monsieur le Président. Une question sur la nécessaire réduction des dépenses. Vous nous avez indiqué, Monsieur le Président, je n'ai jamais été partisan de l'austérité. Et vous nous avez dit, je cite, il faut une action déterminée et collective pour diminuer la dépense. Pourriez-vous nous préciser un peu, nous donner quelques pistes sur cette voie de l'action déterminée et collective, en sachant qu'évidemment, il faut tenir compte des hausses qui sont déjà gagées, si je peux dire, dans les lois de programmation sectorielle, comme vous l'avez rappelé. Merci. Merci Bernard. Rémi Ferraud. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les présidents, d'ailleurs, une remarque, quels que soient nos avis politiques différents, l'augmentation de la charge de la dette durable change les éléments, change la donne et donc doit changer aussi les éléments de notre réflexion. Je crois qu'on en est tous conscients. Ensuite, une question. Vous avez fait, Monsieur le Président, vous avez une allusion à la trajectoire financière pour les collectivités locales, avec une diminution prévue des dépenses en volume, sans mécanisme coercitif, en tout cas sans mécanisme coercitif très clair à ce stade. Est-ce que vous avez des précisions sur la contribution de finances locales à la trajectoire à la fois sur l'endettement et le déficit public dans les années qui viennent? Est-ce que c'est très faible, faible ou important dans la trajectoire qui nous est présentée par le gouvernement et que vous envisagez réaliste? Je ne vois pas d'autres questions. Alors j'en aurais une, moi, Monsieur le Président. Si vous me permettez, je rappellerai que nous avons le même âge. Et vous faites plus jeune. Mais ce que je voulais en tirer comme élément, c'est que nous avons sans doute travaillé sur les mêmes livres. Et notamment en matière économique,
un des livres de l'époque, c'était le Bar, qui était la Bible, une des Bibles, et d'autres, mais une des Bibles. Et quand on parlait finalement des questions liées à l'augmentation de charges d'intérêt de la dette, en même temps, dans le Bar, on pouvait lire que c'était pour partie compensé par l'augmentation des recettes de l'État, tant que les taux d'intérêt finalement réels étaient finalement inférieurs à l'inflation. C'était ce qu'on apprenait à l'école. Alors l'économie a beaucoup changé depuis, mais est-ce que il y a un peu de vrai là-dedans toujours? J'imagine que vous n'allez pas tout à fait condamner le professeur Barr. Et s'il y a un peu de vrai, comment peut-on l'affecter à ces chiffres d'augmentation de charges d'intérêt? Autrement dit, je précise bien ma question, entre 2023 et 2024, nous aurons toujours une augmentation de l'inflation, mais est-ce qu'elle est contrebalancée pour partie, et à quel niveau, par une augmentation des recettes de l'État? Autrement dit, les chiffres bruts sont une chose, les chiffres, les comparaisons mériteraient peut-être de voir ce point, sachant, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas un problème, évidemment, mais qu'en fait, le problème va d'autant plus s'aggraver le jour où l'inflation repassera en dessous des taux de prêt. Monsieur le Président. Je commencerai par votre question, Monsieur le Président. C'est vrai que nous avons le même âge, puis on a peut-être à un moment donné à peu près les mêmes études. Mais aujourd'hui, même plus. Comment dire? Si je veux faire une confession, j'étais sans doute beaucoup plus à gauche que vous à l'époque. C'est pas impossible. Et donc, j'allais pas beaucoup au cours du professeur Barr. Néanmoins. Mais vous aviez le livre. Mais j'avais le livre, mais je le lisais pas beaucoup non plus. Mais enfin, bon, c'est. Non, je plaisante. C'est simplement, pour revenir à plus sérieux, je vais être très simple. D'abord sur l'inflation, ces chiffres sur lesquels je ne me suis pas étendu, les chiffres d'inflation sont considérés par nous comme plausibles, avec peut-être des petits risques de dépassement quand même. C'est-à-dire que la prévision, en l'occurrence, nous ne l'estimons pas élevée, mais elle est chouïa en dessous quand même de ce que disent les instituts de prévision. Et on pourrait avoir sur ce point des mauvaises surprises. Si je peux me permettre un tout petit peu d'intuition, je constate quand même sur l'inflation, nous avons un discours depuis quelque temps qui est plutôt toujours ça va s'arrêter, puis ça tarde. Hein. Enfin, ça, c'est pas scientifique. Monsieur Dubois me regarde avec un regard mauvais, donc je m'arrête. Enfin, c'est plutôt plausible avec un petit risque de dépassement, c'est ce que dit le Haut Conseil. Quant aux recettes de l'État, elles expliquent pour beaucoup les relativement bonnes performances budgétaires que nous avons connues ces dernières années. Logiquement, dans la zone euro et en France, la dynamique de la recette devrait être beaucoup moins bonne, sans que ce soit possible de la chiffrer, dans l'année qui vient et dans les années suivantes. Autrement dit, cette espèce de formidable surprise qui permet d'avoir un taux de prélèvement obligatoire qui augmente avec des baisses d'impôts très importantes, 50 milliards d'euros, ça pourrait ne pas être absolument définitif, d'où le fait que le professeur Barr, rétrospectivement, nous pourrions convenir qu'il avait raison. J'en viens maintenant aux questions posées par vous, mesdames et messieurs les sénateurs, de monsieur Delahaye. Non, le gouvernement ne va pas du tout modifier ses hypothèses. Mais chacun a son rôle. On nous demande à nous de les estimer, de porter jugement sur leur crédibilité. Notre avis est là. Et il est une boussole utile pour vous, j'espère, pour le Conseil constitutionnel, pour les institutions européennes. C'est ça notre rôle. Chacun est à sa place. J'ai trop fait de politique pour prétendre en quoi que ce soit me substituer à lui. Chacun est dans son rôle. Après, sur les dépenses exceptionnelles, c'est une question que vous avez posée. La hausse de la dépense publique en 2024 est estimée par le gouvernement à 3% en valeur et 0,5% en volume. Or, la
l'impact de l'extinction des dépenses exceptionnelles liées aux différentes crises sanitaires et énergétiques, cette hausse serait en volume de 2,5%. Et la relative stabilité des dépenses publiques en 2024 est donc surtout permise, surtout par l'extinction en cours des différentes mesures considérées comme d'urgence et non pas par des économies structurelles. Et le Haut Conseil remarque par ailleurs que la baisse des mesures de soutien face à l'inflation énergétique entraîne le remplacement de dépenses exceptionnelles par des dépenses pérennes. En outre, nous notons des incertitudes entourant la réalisation de ces prévisions de dépenses. J'ai cité déjà l'ONDAM. Ce qui veut dire que pour cette année, on va vous présenter 16 milliards d'économies, dont 12 ne sont pas structurelles, en gros, peut-être 12,5. Pour les années suivantes, la marche est plus compliquée. Parce que pour le coup, le quoi qu'il en coûte n'existera plus. Et donc les 12 milliards d'euros pérennes devront être structurels, et à ce jour, ils sont peu documentés, hors retraite et assurance chômage. Je fais cette remarque. Madame Vermeillet, sur la CVAE, bon, la seule chose que je puis dire là-dessus, là, c'est un point de vue que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises, c'est que je pense que dans notre situation de déficit, nous n'avons pas, je dis bien que nous n'avons pas, les moyens de faire des baisses d'impôts sèches. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout usage de la fiscalité. Elle joue un rôle d'allocation, un rôle de redistribution. Tous les manuels d'économie, pour le coup, le disent depuis longtemps. Et c'est l'essence même de la politique. C'est ce qui fonde d'ailleurs des choix largement différents ici. Mais avec une stabilité, me semble-t-il. Au moins, en termes de prélèvement. Et donc des baisses de CVAE, pourquoi pas? C'est une décision politique. Mais ce que je dis, pour le coup, ce que dit beaucoup la Cour des comptes, c'est que dans cette hypothèse-là, il faut la compenser, soit par des prélèvements de nature différente, soit par des économies supplémentaires à due concurrence. C'est sans doute ce qui explique d'ailleurs le choix de ralentir la baisse de la TVA. Mais ça, c'est une question que vous pourrez peut-être poser. Oui, pour financer la CVAE, baisse-moi la TVA. Très bien, comme prévu. C'est une hypothèse. Une question peut-être que vous pourrez poser au ministre, je ne la suggère pas, mais elle existe. Sur les questions de Mme Lavarde, comme d'habitude extrêmement judicieuse, sur le contrefactuel en particulier, ce n'est pas dans les missions du HCFP de faire des scénarios. Je peux quand même vous donner un ordre de grandeur, parce qu'on peut y travailler. C'est que les modèles disent en gros que 0,5% de croissance en moins, c'est 0,2 points de déficit supplémentaire. Donc dans l'hypothèse, par exemple, où la croissance serait bien à 0,9 et pas à 1,4, le déficit serait de 0,2 supplémentaire. Ce qui veut dire que pour parvenir à 4,4, je reviens dessus, il faudrait à ce moment-là faire soit des prélèvements supplémentaires, soit des économies supplémentaires. Et en effet, le rapporteur général, j'ai lu comme vous son très bonne interview dans l'Opinion, et j'ai été auditionné déjà par la commission des finances sur la LPFP lundi. Il n'a pas estimé que ce que nous disions était invraisemblable. Hein. Il l'a pris très au sérieux, comme d'ailleurs l'ensemble des députés, je dois dire. Et en effet, M. Féraud, qu'on soit de droite ou de gauche, il faut quand même baser nos raisonnements sur des données assez réalistes. Et dans ce sens-là, je pense que le Conseil joue un rôle très utile. Nous sommes plutôt dans l'avis qu'aujourd'hui, la prévision centrale est à 0,9 qu'à 1,4. Ça ne veut pas dire que demain, la réalisation sera peut-être... Mais en fonction, évidemment, l'impact sur le déficit devra être apprécié. Sur la question de savoir si le déficit 2023 est crédible, le HCFP le juge crédible, madame la députée, madame sénatrice, parce que le solde budgétaire, ce n'est pas le déficit, ce n'est pas tout à fait la même façon de comptabiliser certaines recettes, notamment européennes. Et donc nous pensons qu'en effet, le déficit annoncé à 4,9 est crédible, plausible, comme nous le disons. Mais c'est aussi sans doute une question à poser au ministre, qui va pouvoir détailler les choses davantage que nous le faisons. Pour ce qui concerne les dépenses ou faire des économies, le respect de la trajectoire pluriannuelle présentée par le gouvernement suppose la réalisation d'un important montant d'économies en dépenses, de nature à infléchir la progression spontanée de la dépense publique. Ce n'est pas notre mandat de faire des conseils, de donner des conseils, moins de faire des recommandations sur les mesures à prendre. Je dirais toutefois
et je le redis, que le changement de méthode me paraît crucial, essentiel. Et je reviens sur les revues de dépenses. Et là, le rôle du Parlement, pardon, est tout à fait central, sans aucun doute. Et je vous redis que nous sommes disponibles. Vous savez que nous pouvons faire des 58.2 à votre demande. La Cour des comptes, pour le coup, est là pour ce faire. Puisque je parle de la Cour des comptes, je rappelle qu'elle a produit 9 notes thématiques. Je vais changer mes sujets, parce que je dis toujours éducation et hôpital et logement. Le logement, c'est quand même un vrai sujet. Oui. La politique publique, là, très coûteuse, dont l'efficacité, à la fois en termes de construction et en termes de présence dans le parc social, est quand même... Il faut la changer. Je ne dis pas qu'il faut la réduire. Il faut quand même qu'elle produise des résultats. Mais je prends deux autres exemples. Les dépenses fiscales. Dépenses fiscales que vous allez examiner, bien sûr. On a quand même fait, non pas une revue, mais un examen. Leur nombre est considérable. Leur durée est infinie, ou indéfinie en tout cas. Leur contrôle est quasi nul. Et nous proposons, à la Cour des comptes, un certain nombre de règles. Me semble-t-il de bon sens, comme le fait de les plafonner dans la durée, de les évaluer, et donc de les remettre en question. Voilà quand même un travail qui doit être fait. C'est un montant de 90 milliards d'euros. Je ne dis pas du tout qu'il y a 90 milliards d'euros à gagner. Il y a sûrement quelque chose à gagner. Il y a aussi la question du verdissement ou du brunissement des dépenses qui peut être posée. Il y a les aides aux entreprises, sur lesquelles nous avons produit également une note qui montre... oui, il faut aider les entreprises, mais toutes les aides aux entreprises, là aussi, peuvent rencontrer les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire le nombre, la durée indéfinie, l'absence de contrôle. Et c'est aussi un montant assez important. Bref, la revue des dépenses doit permettre de faire tout ça systématiquement sur la totalité du périmètre de la dépense publique. Et oui, j'ai une conviction très profonde, c'est que sans austérité, je le redis, on peut faire le quantum d'économie de 12 milliards qui est demandé, de manière intelligente, sans recourir au rabot, et sans taper systématiquement sur les mêmes politiques, en ayant des performances plus grandes, éventuellement une justice plus grande, question d'orientation. Mais ce travail doit être fait. C'est un changement culturel. Et mon pressentiment, c'est que si on ne le fait pas, on sera contraint quand même de faire les 12 milliards, mais dans des conditions les plus douloureuses, et pas avec des choix optimaux. Et ça nous prépare des lendemains qui ne sont pas drôles. Voilà pourquoi l'intelligence, là, est vraiment une nécessité absolue, et je le dis devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, sur l'impact de la réforme des retraites sur la croissance potentielle, le gouvernement intègre dans les prévisions macroéconomiques une croissance potentielle et une augmentation du PIB de 0,7 points à l'horizon 2027, suite à la réforme des retraites, ce que le HCFP juge surestimé. La réforme des retraites vise à maintenir les seniors en activité plus longtemps. Sont les projections de la CNAV et de l'INSEE, ça traduira par une hausse du taux d'activité de 0,4 et 1 point de pourcentage à horizon 2027, compris entre les deux. La prévision de taux d'activité du gouvernement se situe entre celle de la CNAV et de l'INSEE et semble raisonnable. Ça ne veut pas dire pour autant que le taux d'emploi augmentera autant que prévu par le gouvernement, parce qu'il faudrait pour ça que les entreprises adoptent leur comportement pour offrir un emploi à ces actifs supplémentaires et que la demande qui leur est adressée augmente en même temps. Ça n'a rien d'acquis. Donc les hypothèses d'emploi, et ça c'est quelque chose que nous avons constaté à toutes les auditions que nous avons faites, sont plus optimistes du point de vue du gouvernement que la totalité des instituts de prévision, et ça a un lien direct avec ce que je viens de dire sur les retraites. Enfin, par rapport à la question du sénateur Rémi Féraud, et là aussi c'est sans doute des questions qu'il faut poser au ministre. La semaine dernière s'est réuni ce que le ministre appelle un Haut Conseil des finances publiques locales, qui est composé des présidents des trois associations d'élus principales, les régions, les départements, les communes, plus les ministres concernés, plus le premier président de la Cour des comptes. Je n'ai pas pu y assister. Et les présidents et rapporteurs généraux. Et les présidents et rapporteurs généraux, pardon. J'y étais. J'y étais pas, donc comme vous le savez, j'étais représenté par le président Charpie. Disons que l'objectif de 0,5 est un objectif ambitieux, qu'il n'y a pas de mesures contraignantes existantes ni envisagées, et que ce Haut Conseil, dont j'ai compris qu'il avait surtout un rôle consultatif deux fois par an, a été de nature à chercher un consensus et à faire des échanges de bonnes pratiques. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un Haut Conseil, quand même, si on est en logique, le Conseil des finances publiques a une existence de par la loi organique, il définit une trajectoire, il
il auditionne des gens, il réunit des personnalités indépendantes et extrêmement diverses, je le signale au passage. Hein. Pour ceux qui s'interrogent sur le Conseil, ça va. Les gens sont très, très divers, d'ailleurs. Ils parviennent toujours à un consensus, d'ailleurs. Certains sont très à gauche, d'autres le sont beaucoup moins. Mais néanmoins, l'avis du Conseil est partagé par tous, sans la moindre réserve. Bon, disons que ça n'est pas simple, monsieur le sénateur, et que ça mérite sans doute, oui, des questions, parce que je reviens du point de vue du Conseil, pas du tout d'un point de vue politique ou d'appréciation de politique publique ou de processus public. Pour ce qui nous concerne, nous voyons que c'est un élément de l'équilibrage tel qu'il est présenté dans la loi de programmation des finances publiques et que l'hypothèse, là encore, paraît favorable. En l'absence de consensus, en l'absence de mesures contraignantes, compte tenu des besoins d'investissement et de certains facteurs politiques que vous connaissez mieux que moi. Donc, comment y parvenir ? Bonne question. Pas inatteignable, comme nous disons. Mais gros effort. J'ai l'impression, M. Féraud, que la question vous revient en boumerang. Non, non, c'est pas du tout vers M. Féraud qu'elle revient en boumerang. Je pense que c'est fait partie des sujets qu'il faut poser, des questions qu'il faut poser au gouvernement. Parce que la question du modus operandi, pour le coup, c'est pas notre travail. Constatons, nous, que l'hypothèse telle qu'elle est favorable et qu'elle pèse sur l'équilibre des finances publiques. Après. Merci, monsieur le président, d'une part d'être venu ce matin nous présenter ces deux documents importants pour nos travaux, et d'autre part, nous aurons plaisir évidemment à vous retrouver dans le cadre de la réflexion. Alors, vous ou vos collègues, dans le cadre de la réflexion, évidemment, sur le PLF. Et comme vous le savez, nous sommes toujours très attentifs aux travaux qui sont réalisés tout au long de l'année par la Cour, pour le coup, pour alimenter nos propres réflexions sur le projet de loi de finances. Merci encore, merci à ceux qui vous accompagnent, et bonne journée. Je rappelle à nos collègues que nous nous retrouvons à 16h.